que il y a 5 familles du Québec, ça peut être les premiers médecins au monde à prescrire l'activité physique à leurs patients. Les médecins du Québec ont dit oui, parce qu'ils savaient qu'il y avait une influence chez les patients, une influence concrète. Donc on serait maintenant bien armé pour lancer les grandes marches, la 7e édition. Et aujourd'hui, je suis fier de voir qu'il y a plus de 140 000 personnes inscrites. Aujourd'hui, il y a des rêves dans la salle. Il faut monter les armes. On est venu marcher parce que c'est super important d'être en forme. Esther, Eve, on vient de Saint-Constant et on est venu marcher pour montrer l'exemple à notre fille. C'est notre troisième participation puis on vient parce qu'on aime ça être dehors puis bouger puis on en profite. Je viens marcher pour me garder en forme et pour en même temps faire honneur à la grande marche. On vient à chaque année pour marcher. Avec les enfants, c'est le fun, on est entre amis, en groupe, on profite du plein air. Enfin, ce week-end où on était ensemble, on avait tellement hâte de se revoir. Merci à tous ceux qui ont marché au Québec. Merci à tous les participants. Merci aux villes, merci aux médecins. Merci aux bénévoles aussi qui se sont impliqués partout au Québec. Encore une fois, la 7e édition des Grandes Marches a été un succès grâce à vous.